À quelques semaines de la reprise des cours, les couturiers s'attellent dans la confection des tenues scolaires selon le modèle édité par le gouvernement du cycle primaire au cycle secondaire premier et deuxième degré dans les établissements scolaires tant général que technique. Dans les ateliers, les couturiers s'emploient à exécuter leurs tâches dans le dessein de respecter les délais prescrits pour le retrait de ces tenues. Je suis à la maison de couture parce qu'ils m'avaient donné rendez-vous aujourd'hui pour récupérer les tenues qu'ils ont en train de coudre pour ma fille. Comme l'État avait dit, donc on doit respecter la loi. Je suis venu coudre la tenue avec deux épaulettes et deux poches. Ils m'avaient donné rendez-vous aujourd'hui, vu qu'on est proche de la rentrée. Donc, comme j'avais un peu de temps disponible, je suis passé pour le voir et puis récupérer. Pour respecter les dispositions prises par les pouvoirs publics concernant la tenue scolaire, ces couturiers sont parfois obligés de rappeler à certains parents les modèles à confectionner. Souvent, c'est à nous d'expliquer aux parents d'élèves comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu à regarder la télé, il y a beaucoup qui n'ont pas eu d'idée sur ça. Pas au prix qu'on donne, que les parents boudent un peu, mais ça a l'air d'aller. Avec les rabats et deux galons ici, ça nous prend aussi du temps. Mais on est obligé de le faire. Quand les enfants arrivent à déposer leur tenue, ils sont en train d'expliquer. Dis-moi, moi-même, j'avais suivi à la télé, donc je vais faire exactement. Parfois, il y a d'autres qui veulent changer. Je dis non, on vous a dit de me faire ça, faire exactement. Parce que vous confectionnez notre modèle, arrivez là-bas, si on vous chasse, les parents vont encore dépenser plus. Donc, si dans certains ateliers, la confection des tenues répond au modèle exigé par l'exécutif, d'autres, par contre, faute de moyens, sont obligés de modifier les anciennes tenues. On n'a pas eu beaucoup de tenues ici-là, donc vraiment c'est un peu difficile. Souvent, on reçoit seulement les anciennes tenues. Arrangez-nous les épaulettes, les poches rabat, mais sinon, les nouvelles tenues, non, non, non. La confection des tenues scolaires dans les ateliers de couture est encore au ralenti. Les couturiers espèrent qu'avant la fin du mois de septembre, les parents viendront déposer les tissus de leurs enfants.